Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Trop contente de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour continuer, encore une fois, ma collection d'oracles et tarots. J'espère que vous passez un bon moment, que vous soyez en train de petit déjeuner, comme certaines personnes à qui je pense et qui vont se reconnaître. Bon café. Et voilà, celles qui me regardent dans les transports, ou voilà, ou ce soir, ou tranquillement dans la journée. Donc, gros, gros, gros bisous à toutes et tous. Voilà, je suis près de vous pendant ce moment. La Sibylle des salons. Alors, est-ce que vous avez ce jeu? Il arrive dans une très jolie boîte. J'aime beaucoup ces boîtes-là. La Sibylle des salons. Alors, il y a des cartes avec tous les mots-clés donc, et les tirages. Donc, ça, c'est quand même super. C'est hyper pratique. Voilà le dos. Voilà tous les mots-clés avec donc vous voyez les trèfles, les carreaux, les cœurs. Voilà et plein de petits tirages. Donc ça c'est quand même super. J'adore quand c'est sur des cartes comme ça. Des conseils de lecture pour vos tirages, la composition du coffret et on vous parle un petit peu de qu'est-ce que la Sibylle des salons. Voilà. Alors, le dos est comme ceci. Bon, pas ce que je préfère. Hein. Ça me rappelle un petit peu les tapisseries qu'on avait. Mais c'est le cas hein, chez nos grands-parents. Mais bon. Voilà. Et voilà le style de carte. Donc, vous avez la carte classique là-haut, le numéro de la carte et le mot-clé. Alors là aussi, je ne m'en sers pas énormément. Pourquoi je ne m'en sers pas énormément? Je ne sais pas. Et je me suis dit tout à l'heure, en les choisissant, là, ceux d'aujourd'hui, que celui-ci, il allait rester près de moi parce que franchement, j'adore. Et je vais vraiment m'y mettre. Donc voilà. Alors si vous l'utilisez, n'hésitez pas, dites-moi. Est-ce qu'il répond bien? Est-ce que vous l'aimez bien? Donc ça, c'est une nouvelle version, hein. Je crois que c'est la dernière qui est sortie. Et voilà. Je l'ai pas mal regardé quand il est sorti. J'ai trouvé super. Et j'ai pas eu le temps de faire le tirage avec. Mais bon, j'ai toute la vie pour ça, hein. Mais quand même, avoir un beau jeu comme ça, ouais, je vais le laisser celui-là. Je vais le laisser dans ma petite pile à travailler. Je l'adore. Voilà. Donc, Romilou, celui-là, tu le gardes. Enfin, je les garde tous, hein, mais près de moi. Le tarot de la bienveillance. Alors, j'adore ce jeu. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, en fait, parce que je l'ai revu énormément d'occasions. Donc, je pense qu'il y a des gens qui l'achètent et qui, après, n'accrochent pas. Vous allez me redire, même si vous me l'avez déjà dit, hein, je l'ai noté à côté de vos noms. Moi, je le trouve très très bien. Après, c'est vrai qu'il a été renommé, etc., qu'il n'était pas très simple. Mais bon, après, c'est pas très très dur. Hein. L'air, on sait que ah, c'est les épées, l'eau, c'est tout ce qui est émotion, bâton, coupe. Bon, c'est pas très très dur pourtant. Je sais pas, ou je pense que c'est les illustrations qui plaisent pas forcément à tout le monde. Là, le dos, je pense qu'on est unanime hein, quand même. Magnifique. Très, très, très chaud. Oups là, il glisse. Très bonne qualité aussi. Voilà, alors, je vais poser parce que je vais les faire tomber. Attendez. Voilà. Voilà le style de carte. Alors, moi, forcément, ça me touche énormément. Hein. Si vous me connaissez maintenant, vous devez vous en douter. Chariot, valet de feu, le pendu. Alors dites-moi si vous l'avez et pour ceux et celles qui n'aimeraient pas, bah écoutez, dites-moi pourquoi parce que c'est vraiment intéressant d'échanger là-dessus. Puis pour ceux qui l'adorent comme moi, bah dites-le-moi aussi, comme ça nous fera un nouveau point commun et Dieu sait qu'on en a des points communs. Hein. Voilà, mais je voudrais bien savoir s'il y en a qui n'aiment pas, pourquoi en fait? Qu'est-ce qui vous a gêné ou qu'est-ce qui vous gêne? Voilà, moi je le trouve
Tellement doux, tellement apaisant, tellement bien, bien, bien illustré. Peut continuer à en regarder quelques-unes. Ça fait toujours plaisir, hein, même si on les connaît bien, ces jeux. Moi, ça me dérange pas. Je sais pas comment c'est pour vous, mais ça me dérange pas de revoir tous ces jeux. Même quand je les vois passer sur d'autres chaînes, je me dis, oh, mais je l'ai, celui-là. Puis après, j'insiste et je me dis, oh, trop bien de l'avoir revu. Je sais pas si ça vous fait pareil. Regardez-moi comme c'est beau. La tentation avec ce cœur-là dans la pomme. Ouais, magnifique. Voilà mon petit bouton. Donc voilà pour ce jeu que je vous représente. Le tarot de la bienveillance que vous pouvez retrouver, je pense, maintenant sur toutes les plateformes sans problème. L'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Bon, je pense que j'ai tous ces jeux de Dorine Gilbert. Hein, j'adore, je suis fan. Voilà, en français, une boîte de très, 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 très bonne qualité. Ça faut reconnaître que tout ce qu'elle fait, c'est vraiment soigné avec un petit livre comme ça, vous voyez, en papier glacé. Avec des petits mots, une guidance et après, célibataire ou en couple. Trop bien. Je vous laisse lire si vous voulez voir un petit peu ce qui se dit. Voilà, c'est comme ça pour chaque carte. Voilà, alors le dos des cartes. Alors évidemment, c'est pas l'endroit. C'est pas à l'envers plutôt. Hop, hop, il est dans tous les sens. Je m'en sers pas mal de celui-là. Donc voilà le dos. Magnifique. Des bordures violettes. Et voilà donc le style de carte. Alors là, pour le coup, oui, c'est vraiment. Bon, on peut s'en servir évidemment, puisque c'est l'idée pour faire des tirages sentimentaux. Mais on peut s'en servir aussi complètement pour faire des guidances générales. Hein. Enfin, moi, c'est mon cas. Je m'en sers pour les deux. Qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? Il n'est pas magnifique. Voilà. Très agréable. Franchement. Il est simple, il est facile. Là aussi, si vous débutez, c'est vraiment un jeu que vous pouvez retrouver sur. Vous tapez Dorine Gilbert. Voilà, et je pense que vous serez content. Ça s'y prête complètement hein, pour les débutants. Il est simple. Oh là là, excusez-moi. Voilà, il est simple, il est beau, il est de bonne qualité, il glisse bien. Le guidebook est facile. C'est parfait. Les illustrations sont. Très, très belle. Après, il faut aimer tout ce qui est un peu girly. Hein. Voilà. Donc, je vous le représente rapidement. Sans tout faire tomber. L'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Voilà. Ensuite, alors, pas de saison, mais évidemment, un incontournable, le Merry Christmas. Comment vous dire? Ben, vous le connaissez. On l'a vu partout, partout, partout. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui ont ce magnifique jeu avec un petit guidebook en français et en anglais. Celui-ci à Noël, hein, je crois que là, on ne peut pas faire autrement que de ressortir. Voilà, le petit mot-clé, le nom, la guidance du jour, l'incantation magique. Donc, oui. Il fait à la fois Petit Lenormand et alors bien sûr les petites cartes avec les mots-clés, anglais-français. Il a un dos qui est tellement voilà, marqué Noël, évidemment. Hein. Et voilà, la matière est incroyable. Très très bonne qualité. Ça fait plaisir de le revoir, même si c'est pas du tout la saison. Là, ça nous ferait du bien, un petit peu de fraîcheur. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais alors sur Paris, c'est intenable de chaleur. Voilà. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, celui-là, depuis Noël. Hein.
Donc ça me fait plaisir de le revoir. Célia et Claire Duval, Célia Mélesville et Claire Duval nous font des choses. On a beaucoup de chance de les avoir. Tant en tant qu'artiste et auteur, mais aussi leur chaîne. Hein. Je crois que tout autant qu'on est, et moi la première, on apprend tellement de choses sur la chaîne de Claire et de Célia. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce petit jeu? C'est un incontournable, hein. Enfin, je pense. Voilà, et puis on va aller sur le Mermaid Tarot de Dame Darcy, très particulier. Très particulier. Hop là, ça a sauté, tiens. Bon, très jolie boîte. Et alors, le dos, comme ceci, très coloré. Et après, les cartes, bah alors là, vous voyez, un contour comme ça. Les cartes, là, c'est une question de goût. Parce que c'est assez, assez chargé, mais bon, moi, j'aime beaucoup. Et suit hein, complètement le rider. Hein. Après, c'est les illustrations qui sont, voilà, qui ressemblent complètement Dame Darcy, quoi. Donc, bah, y en a qui adorent et puis il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout. Moi, vous vous doutez que j'aime bien. Voilà. Et puis, on le comprend bien parce qu'il suit facilement le rider. Voilà. Après, ouais, le jugement magnifique. Reine de coupe. Quatre de bâton. Vous avez vu, hein, ça reprend complètement... voilà, les scènes de vie de, du rider. Donc, là, pour le coup, on n'est pas du tout perdu. C'est juste le thème, les illustrations qui peuvent un peu perturber si on n'aime pas ce style, mais voilà, c'était important que je vous le présente. Un, parce qu'il fait partie de ma collection, et deux, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont le découvrir et qui vont adorer. Donc voilà, c'est ça aussi qui me fait plaisir quand je vous présente mes jeux, c'est que voilà, il y a des personnes qui découvrent et qui me disent « Oh, j'adore, etc. Merci et tout ». Donc, c'est chouette parce que c'est comme si vous étiez avec moi, quoi. C'est comme si, voilà, vous étiez à côté de moi et qu'on allait chercher, voilà, 4-5 jeux dans ma bibliothèque et puis qu'on puisse échanger. Ah, mais je l'ai, celui-là, mais celui-là, je l'ai pas. Celui-là, j'aime, celui-là, j'aime pas. Voilà, ce serait tellement bien. Je m'invente une vie, en fait, comme si vous étiez là. Mais écoutez, ça me fait plaisir. Voilà. Je vous en présente plusieurs, comme ça, si jamais il vous plaît, pour que vous ne vous trompiez pas sur cet achat. Et puis, on va se laisser tranquillement à nouveau aujourd'hui. On va souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. J'en profite pour vraiment renouveler mes remerciements à tout le monde. C'est hyper important que vous puissiez m'écrire, qu'on puisse échanger vos petits pouces, vos abonnements, etc. Vous savez que c'est important hein, pour nous qui faisons des vidéos pour toutes les chaînes. Hein, si vous les aimez, n'hésitez pas à encourager tout le monde. Avec ne serait-ce qu'un petit pouce si vous n'avez pas le temps ou pas envie d'écrire. Puis si vous n'êtes pas abonné et que ça vous plaît, mais n'hésitez pas à le faire. Ça fait toujours très 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 plaisir. Surtout pour que la chaîne puisse, puisse vivre quoi. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. Je vous embrasse très très fort. Et puis, on va continuer tranquillement, demain, après-demain, jusqu'au bout. Voilà, je me suis lancée là-dedans. Je vais aller jusqu'au bout. Si ça se trouve, il y en aura 100. J'en sais rien. Je vous embrasse très, très fort. À bientôt. Merci. Au revoir.